Mais c'est dans la société, pendant le jour, il y a une série d'informations vraiment fait la une. Et une, mesdames, messieurs, c'était la question de la mort du journaliste, et de l'ancien journaliste, ou bien Sindakadi, ancien présentateur de la radio Télé-Zénith, à savoir Karl Dieudonné. Mesdames, messieurs, toute information était sortie comme quoi monsieur a perdu la ville. Il était sorti puisque jusqu'à présent, il y a des gens qui ont démenti. Nous-mêmes, nous prenons le soin tout d'abord pour nous bon bagaille dans un bon équilibre. Et ceci, l'information que nous avons là, c'est l'information que nous joignons de gens qui vivent dans le même espace à Karl et le rapport que nous avons développé à Karl et là que nous avons envisagé dans les médias, dans la question des médias en Haïti, mesdames, messieurs. Karl Dieudonné, en général, nous connaissons ces derniers temps. Que M. pas porté les trop bien, puisque ça y est, quelques mois de cela, depuis M. était gagné une grande altercation entre lui-même et mesdames, messieurs, avec ancien patron, à savoir Ronnie Collin. Comme quoi que M. a fait croire que Ronnie Collin, ta youn namoun, mesdames, messieurs, qui, en général, te bali, qui choye boulboué, yon bagay boulboué, t'en mouchli, comme quoi que M. est arrivé, pral, perdu la ville. Donc, ça qui est évident, c'est que monsieur, en réalité, monsieur Tegeta presque tourné bœuf. Et même si c'est de façon psychologique, puisque là, on a parlé avec Karl, Karl toujours dit, mais on vient prendre, mais qui s'acrivait, on sait où de bagaille. Bon, t'es un paquet d'efforts que monsieur devine faire physiquement, monsieur font un paquet de parcours. Donc, moi-même, j'étais en communication systématique avec monsieur. En vertu du parcours que l'a fait et qui ça l'a réglé. Donc, de un paquet l'autre bagaille. Donc, en réalité, un paquet gros mouvement que tu as fait. Eh bien, mesdames, messieurs, moi-même spécialement, donc, je vais faire le pouvoir. Donc, je ne cherche pas l'amitié. Puisque, à chaque fois, je vous dis, nous, les gens qui, en général, ont des informations sur les dire que c'était un ami, c'est ton lot. En réalité, c'est ça, mesdames, messieurs. Karl Dieudonné, c'est un ancien présentateur. Pourquoi? Et pour qui ça en réalité, en pile le monde qui a considéré son ancien présentateur. Pendant la semaine, Karl Dieudonné n'était vraiment pas de porter les biens, mesdames, messieurs. Et là, on attendait que monsieur pas porter les biens, monsieur, en réalité, monsieur était dans un état qui est vraiment désagréable. Eh bien, mesdames, messieurs, il y a une information ça, qui était sortie pendant la journée qui fait croire que Karl Dieudonné était en réalité était perdu la ville. Mesdames, messieurs, mal ben détail, oui. Mais avant tout, abonnez à la chaîne, ça a une meilleure façon pour capable d'être bien informé. Et mesdames, messieurs, si vous faites ça déjà, c'est une évidence pour partager toute information. Qui ton like, faites-nous un petit comment vous arrivez surtout dans les commentaires, mesdames, messieurs. Karl Dieudonné, en général, nous connaît qui était frappé par maladie Tivoula. Donc, Jean-Yorémédil, le pays d'Haïti, comme quoi que monsieur t'a frappé mystiquement. Et bien, mesdames, messieurs, suite à monsieur sorti dans la radio-télévision Caraïbe, monsieur t'a cherché comment la école à terre. Et bien, mesdames, messieurs, baga la compliqué. Donc, monsieur t'a expliqué en réalité, c'était dans une fête de retraite, mesdames, messieurs, entre monsieur Ronnie Collin et des coéquipiers, non, c'est pas coéquipiers, non, des collaborateurs. Donc, dans la radio Télé Zénith qui est à l'autre moment de retrouvailles, mesdames, messieurs. Eh bien, mesdames, messieurs, la situation ça a été permettre que Karl te sorti, le bagaille, tu apprends le mieux pour lui. En fait, le bagaille n'est pas trop facile. Dans le fait ça, monsieur, ça te débarqué en zone planning, en canson fait. Et mesdames, messieurs, Ronnie Collin te font pile dépenses par rapport avec l'étape fond façon pour être capable de permettre que l'équipe ça te paraît ton grande équipe. Puisque, mesdames, messieurs, vous savez, en Haïti, on parle toujours de. On parle toujours, mesdames, messieurs, de quelques médias, comme quoi, qui ont grande famille. Mais en tout cas, Ronnie Collin, c'était tout très joli. C'était fond bagaille comme ça, mesdames, messieurs, pour être capable d'avancer. En tout cas, information qu'on suppose qu'on est, mesdames, messieurs. La question de mort de Karl Dieudonné. On n'est pas prêt en réalité pour confirmer ceci puisque on n'a pas l'approbation et on n'a pas la réponse exacte de certains membres de sa famille malgré que nous arrivions à parler avec moun qui l'a entouragé qui était même à prendre soin pendant toute semaine là. Mesdames, messieurs, certains a parlé avec nous avec des sanglots dans la voix, certains tout a parlé avec de la
grande tristesse. Question, est-ce que en réalité c'est à cause de santé monsieur qui qui détériorait comme ça qui la cause que monsieur arrivait dans situation monsieur Damio. Elle a pas l'avoir ou t'as senti frustration par rapport avec j'ai parlé. Tout comme moi-même, je parlais à une amie de corps qui c'est un ami très proche quand elle dit le nez tout. Eh bien, madame, c'est qui dit que à Agoudou, qui dit en réalité, madame, monsieur, bon changement qui supposé fait. Et là, elle parlait de changement qui supposé fait là. Il dit il faut que tu là pour ta comprendre ça qu'a privé maintenant là. C'est-à-dire il y a c'est ce qu'on appelle une surprise dans question la mort, dans question la mort qu'al Dieu donné. Bien que on est que qu'al Dieu donné t'a mouri ou bien mouri vrai, il y a plus monde qui t'a capable prendre grande position. Bon, moi-même tout comme vous savez, nous à la direction d'Actu-Production, on n'est pas émotionnel. Nous pas faire des sensations, c'est plutôt des informations de grande envergure, des informations de grande pompe que n'a lagué et le nous bon information ça c'est sûr que information ça c'est meilleure information qu'on capable joindre pour capable avancer. Donc pour la question de Carl Dieudonné, information, les informations faisant croire que Carl Dieudonné est mort, il y a Radio Télémétronome qui en général qui démentit information ça, il dit Carl Dieudonné n'est pas mort. La femme du journaliste, à savoir Yolaine Molton, dément les rumeurs de la mort de son mari dont l'état de santé s'est dégradé. Depuis le jeudi 21 avril 2022, notre confrère de 49 ans est inconscient selon son épouse. Eh bien, madame, monsieur, il a décidé en quelque sorte pour faire quoi? C'est pas vrai du tout. Donc, yon état qui déplorable, c'est inconscient depuis jeudi. Donc, ma belle information que j'ai de façon personnelle. La moi information sortie, madame, monsieur, me choisi, monte téléphone moi avec antenne que j'ai en bas dans le pays d'Haïti, dit il faut que me garde qui ça bagaille. Ma blé, madame, monsieur, Carl Dieudonné rete en nan pays d'Haïti en bas là dans Dieg. On est cap faire information ou bien on est qui te gon relation avec Carl Dieudonné, vous ne pouvez pas être limité par des informations même si ce sont des informations confidentielles pour la famille de Dieudonné, madame monsieur. Donc on parler avec un responsable nan droit qui fait me connaître que un monde qui est dans même espace là. Premier bagage qui est découragé, c'est que le dit Col. Premier bagage là, il dit nous qu'elle a perdu Col. Combien t'as donné que moi-même les à grand monde. Et bien, la monsieur m'a dit nous ça. J'avais un grand projet d'émission avec Carl Dieudonné entre depuis quelques temps. C'était un produit, un grand projet pour un média de très spécial en Haïti pour parler de la situation politique d'Haïti. Eh bien, mesdames, messieurs, l'homme apprend que Carl Consa et me dit, bon, meilleur bagaille comme café, et c'est à le chercher, ouais, qui ça qui existait en réalité. Mon a dit, nous sommes la perte du Carl, et puis me dit, bon, ok. Poser quelques autres questions, malheureusement, les réponses sont des réponses diplomatiques. Mais il y a un monde qui peut le permettre de m'effrayer, madame, monsieur, c'est l'ami de Carl qui systématiquement toujours passé. Well. D'ailleurs, dis-nous, depuis semaine passée, donc Radio Métronome peut-être joue une information de Yolaine qui dit en général, c'est depuis jeudi. Bon, ok, donc Yolaine, Kadil, puisque il faut protéger son mari. Mais madame, monsieur, depuis la semaine dernière que Carl Dieudonné a été grandement malade. Et c'est pas malade dans le sens simple, mais c'est malade en réalité que si que on moun arrivé là ou t'as descend à Haïti ou t'as rencontré Carl, bizarrement dans les premiers jours ou t'as des calabres qui est ça
Et c'est comme quoi on sentit que esprit que tu voulais faire monsieur tourner bœuf là, faire monsieur tourner bœuf, monsieur senti magie à l'encol que le t'est accusé mesdames messieurs, monsieur Ronnie, hein? Ronnie connaît comme quoi en pile monde vend comme un gros ou grand pays d'Haïti qui a fait média. Donc monsieur t'ai dit, c'est monsieur qui dit moi-même bagaille quoi que ça. Côté monsieur expliquer Ronnie connaît ces nèg qui sont on quand sont fait dans question t'imagine. Et puis j'étais même parlé, il y a des moments de sacrifice à la radio Télé Zénith. C'est pour cela chaque année il faut qu'il y ait un grand problème à cette institution, mesdames, messieurs. Donc, quand vous arrivez à Karl Dieudonné, la première chose qu'il a fait, la dit, mon cher, la demande c'est qui est ça. Ça, c'est pour les premiers jours. Disons, les jours passés, disons. Eh bien, mesdames, messieurs, au cours de, ou bien, à partir de lundi et mardi, Karl Dieudonné a été grandement inconscient. Grandement inconscient, c'est que, comme vous voyez, cette photo, Karl Dieudonné n'était pas fini. Ce Karl Dieudonné qui part en rien, ce Karl Dieudonné qui just en zoplending, hein, en gros Vincent. Donc, ouais que, si on vous dit que cette personne-là est mort, bon, comment m'a dit pour qu'on mourir parce que bon, je m'en garde là. Peut-être il est inconscient, peut-être. Mais mesdames, messieurs, information fait quoi? Je te fais quand même. Mais proche que de parler, mis à part de Yolène qui prend le courage, qui dit non, c'est non. Mais mesdames, messieurs, les autres personnes n'ont rien dit. Et il y a des sanglots dans leur voix. Il y a des grands problèmes. Il y a la grande tristesse dans leur voix. Nous souhaitons en réalité que Karl Dieudonné, vrai, nous même fourni j'ai gardé, pas mourir. Bien que information que nous n'ayons pas sûr que dit nous. Bah là on moi même madame monsieur c'est dans information officielle famille monsieur n'a pas. Madame Karl Dieudonné dit il pas mourir et bien Karl pas mourir. Yolaine pour nous qui est-ce qu'a parlé à la m'a une démonstration de col une vidéo quel que soit Jean même s'il est inconscient il ne peut pas être inconscient rien comme s'il est là justement là comme il n'y a rien il n'y a pas d'oxygène il n'y a rien donc il faut en quelque sorte bon nous pas imposer pour là puisque col c'est Mario mais il faut savoir que col a été un mentor de la République. Mon paquet de monde qui aime l'école, mon paquet de monde qui apprend l'école, mon paquet de monde qui m'en bail, mon paquet de bail l'école. Donc, bien que, en pile, mon monde prend le soin à critiquer le monde, messieurs, dames, la société, leur fin fou bagaille dans vous, c'est leur aller à critiquer. En tout cas. Li assez normal dans la position qu'elle gagne. Ah, il dit, faut qu'il ait mette une battle Lambert, faut qu'il ait mette une ralon Iguazi, onflé, oui, bien onflé, il dit, chita Ariel, fou bagaille. Oui, retire Ariel, il prend Iguaz, il gonfle Ariel, ballon d'un à pouvoir, vagabond. Il va faire ça. Il va faire ça. Sinon, nous ne pouvons pas entendre nous. Nous ne pouvons pas entendre nous. Vous voyez ça, vous faites là? Vous faites ça là? Il y a des accords avec Donald Trump. Élection faite, Trump perdit. Trump vire d'oul. Il y a l'intérêt. Les États-Unis. Il y a l'intérêt pour les États-Unis. Nous voyons ça que fait dimanche là. Nous voyons ça que fait dimanche là en France. Comme si Haïtien pas ouais ça que fait en France dimanche là. Haïtien pas ouais ça que fait en France dimanche là. Mais si nous pas ouais, on va faire entendre ça que fait en France dimanche là. Si nous pas de chance ouais, ou monde qui pas de chance ouais. On va faire nous vivre ça que fait en France dimanche là. OK? Est-ce que là parce que faut me faire nous vivre qui position mon yo gain. OK? Il va y avoir l'autre position non? C'est défendre intérêt pays yo d'abord. C'est défendre intérêt pays yo. Mais ici nous préférer dire bon tant pour un tel la président. Tout pays a réduit ensemble. Oui, ou joindre des monde qui bat bravo. Ou joindre des monde qui bat bravo. Pour moun yo ka fait des déclarations tête en bas mais on joine des moun qui bat bravo
pour moun sa yo quand même. Donc élection finie en France dimanche là, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde yo positionné. On allez. Avec gravité, à voter le 24 avril prochain contre l'extrême droite de Marine Le Pen en vous servant du bulletin de vote Emmanuel Macron. Tout dans l'âme de la France dit non à l'extrémisme. Le projet de Marine Le Pen conduirait le pays à la discorde, à l'impuissance et à la faillite. Sa proximité historique avec Vladimir Poutine la discrédite. Pour défendre les intérêts de notre pays dans les temps tragiques que nous vivons. Son élection conduirait à l'effacement de la France sur les scènes européennes et internationales. Ainsi, et malgré les profondes divergences que j'ai martelées tout au long de la campagne, je voterai en conscience Emmanuel Macron pour empêcher l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen et le chaos qui en résulterait. Je les appelle à faire barrage à l'extrême droite en déposant dans l'urne un bulletin Emmanuel Macron le 24 avril prochain. Que personne ne minimise la menace fondamentale que constitue l'extrême droite pour la démocratie, la paix civile, l'écologie et pour les valeurs de notre République. Alors, je le sais bien. Je répète parce que des fois, il arrive que même quand je dis les choses, c'est comme si je ne les avais pas dites. Alors je recommence à cet endroit du film. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Notre consigne de vote est claire, pas une voix ne doit aller à l'extrême droite. Pour autant, nous ne donnerons pas de consigne de vote en faveur de Macron, car c'est un pompier pyromane dont les politiques sont une des causes de la montée du RN. Je ne me tromperai pas d'adversaire, c'est la raison pour laquelle j'appelle mes électeurs à voter pour Marine Le Pen. Voilà, ça, élection finie dimanche là, et puis, qu'il te relé, et Yannick qui bagaille. Gen nan mesdames, quoi, Valérie Pécresse, il dit malgré tout désaccord li genye avec Macron pendant campagne là, il dit pas voter Marine Le Pen pour sauvegarder l'intérêt de la France. Philippe Poutou, bon, il dit pas voter Marine Le Pen, mais il dit pas passer consigne pour voter Emmanuel Macron. Mais c'est des candidats gagnants comme cela. Mais Jean-Luc Mélenchon, il dit pas même un vote à Marine Le Pen. Bon, Éric Zemmour, il a toujours une position qu'il gagne. Hein? C'est, nous entendons déjà, Éric Zemmour, il est positionné, il dit il pas jamais abandonné adversaire, il pas trompé adversaire, il encourage les gens pour voter Marine Le Pen, dimanche 24 avril, qui est là. C'est des gens qui ont fait gros dépassement. Ils ont oublié tête pour sauver nation pa yo. C'est ça qui fait pays yo bel comme ça. Li va constituer des groupes de barrières, il va faire campagne pour barrer la route à moun yo pa vle passer. Mais en Haïti n'a fait serment, n'a joine des encervelés qui va bouler caoutchouc pour nous. Cap craser brisé. Bon homme campé dit comme si tant pour Jovenel Moïse t'arrivé président.
pays à mettre réduit ensemble. Et effectivement, Haïti réduit ensemble. Vous cantez la parole? Haïti, je dis, il réduit à sa liée. Un pays où il vit là-dedans et où il est président. En 2022, en 2021, il n'y a pas assassiné le président de la République. En 2022. Même en Afrique, nous ne pas descendre encore. Même en Afrique, nous ne pas descendre encore. Nous, ouais, ça se trouve, Blaise Compaoré. Après 34 ans, assassinat Thomas Sankara, Blaise Compaoré est condamné pour passer toutes 13 villes en prison. C'est vrai, les Côte d'Ivoire. Et m'kwèl naturalisé. Est-ce qu'il y a extradé le baronné? Qui ça quoi le fait? M'brola. Mais en Afrique, y'a-t-il un pile chef d'État? Y'a-t-il un pile chef d'État en Afrique? Mais nous sommes tous ça que Alpha Condé. Alpha Condé. Dans le pays plus remis en Afrique, là. Guinée-Conakry. Vous prenez Alpha Condé, vous mettez l'autre côté, et puis, chef la mère, c'est lui-même, je dis, ah, qui a dirigé le pays, ah, pouvoir de transition, hein, c'est lui-même qui a dirigé. Au Mali, vous avez chef, vous avez président coup d'État, l'Union Européenne dit, vous ne pas reconnaître coup d'État, puis je retourne dans le poste. Il n'y a pas de coup d'État. Pakistan, là, au Pakistan, sous une motion de censure contre le premier ministre pakistanais. En Afrique, oui. Si nous contrôlons Thomas Sankara, un paquet de monde, un paquet de chefs d'État, en fonction qui mourit. Mais depuis quelque temps, nous ne attendons pas ça à répéter encore en Afrique. Avec là, un petit pays, à battre l'estomac, nous, c'est première république, nègre, noir, indépendant, n'a tout un président, et puis, aussi, c'est comme si rien n'était tout, n'a pas gardé. Radio Omega. Et quand ça que Vixen, tout ça encore, messieurs, vous prenez le peuple, vous manipulez le peuple là, vous faites quoi, président, son vagabond, son mauvais monde, son tueur, son assassin. Aujourd'hui, il y a une révélation. Il a dit que si Jovenel Moïse était allé en 2018-2019, ce n'est pas des assassins, pas des voleurs qui sont dans le pays. Mais qui ça a fait Haïti? Qui ça a fait avec Haïti? Trop groupe d'intérêt. Trop groupe d'intérêt. Politique, là, c'est jeu d'intérêt. Partout dans le monde, c'est ça lié. Mais qu'on côté acteur arrivé, yo mette intérêt personnel yo de côté. Effectivement, qu'on initiative qui prend tout acteur yo, que ce soit Montana, pas Montana en soi comme Akono, pas Pen en soi comme Akono, pas 11 septembre en soi comme Akono. Qui ça me relé, c'est pas eux-mêmes. C'est pas Montana gale, mais gende des moun, des éléments en de trois accords ça yo yon a rencontré avec l'autre. Yo dit monsieur dame n'a fond bagaille pour nous sauver Haïti. Yo dit n'a fond bagaille faut nous sauver pays ya. Et justement c'est ça m'a parlé avec nous à soir. Côté nèg ici nèg ak fami ici ka fait politique côté yo extrêmement coquin yo met dame. Moun yo rencontré le 7 mars. Yo di fon fon bagay pou Haïti. Effectivement, yo rentre avec mon délégation qui gen la dan kopya Chambre commerce d'Haïti, religion pour la paix. Religion pour la paix nous connaît qui participer non bonne initiative déjà qui bon résultat. C'est religion pour la paix en 2015 qui ban nous Evans Paul comme premier ministre. Et nous t'es satisfait des Evans Paul, crise là t'es apaisé, élection t'a pas annulé. Je dis à Mbakwe, comme si, en plus, mon passé, et pas qu'on mon religion pour la paix, comme si, je dis à Ogentan, pas mon ça encore. Depuis, nègre là, désaccord avec tel monde, comme si mon ça a bon pour abattre. Depuis, papa, le nègre était pâle. Mais mon ça a une société à service déjà. Mon ça a une société à service déjà. On va parler des sociétés à remplir dans le monde. Bon, je souhaite Franck Etienne joyeux anniversaire, puisque jeudi a fait Franck Etienne 86 l'année.
Et c'est pas facile. 86 ans, c'est gros causé. Il était fait, malgré le fait Corona, mais il crampait, il existait, il résistait, il résistait. Bonne fête, Franck. OK? Bonne fête, Franck Etienne. Joyeux anniversaire, Franck Etienne. OK? Mais, m'pas vle quoi nous bon société, c'est vagabond seulement là-dedans? M'pas vle quoi ça? M'pas vle quoi société pas nous, c'est pas qu'on ken moun seye là-dedans? Depuis on choisit un moun en d'un pays ça, pour le vin en d'un bagay, qui gen rapport politique, mon groupe qui gen dans moun ça pas bon. Effectivement, le 7 mars, yo rencontré avec groupe religion pour la paix. Ou bien, alors, Religion pour la paix est représenté, Copia représenté, Chambre de commerce d'Haïti représenté. C'est entité ça yo qui te représente, qui yo ba mission pour faire médiation. Mais c'est des